suis contente d'être là. Merci à tous d'être là. Waouh. Je pense qu'officiellement, c'est la première salle qu'on fait. Et vous êtes là. Merci infiniment. C'est négatif, c'est quand même pas que c'est péter une coche, mettons. Toujours, j'ai été fière de ma peau. C'est une grosse responsabilité quand même de divertir les gens, de leur donner de l'amour, de l'énergie, du bonheur pendant cette soirée-là. Puis on le fait de manière spontanée, mais là, je trouve que c'est intéressant de prendre un autre petit niveau puis d'ajuster des choses. Donc, on a fait une scène pour ce soir. Ouais. Boxe, de rêve, ma scène de rêve, je dirais, ce serait un festival dehors, une grosse scène, gros public, fait chaud, où tout le monde peut découvrir ma musique. Ce serait le best. Souvent, c'est l'ambiance qui change. Il peut y avoir beaucoup de gens, puis l'ambiance peut être un peu plus, des fois, froide, où les gens sont moins dedans. Ou des fois, c'est un petit show, il n'y a pas beaucoup de personnes. Puis là, c'est le feu. Fait que ça change tout le temps. Les apparences sont déjà les apparences sont déjà. Dans le show, on peut s'attendre à beaucoup de danse. J'ai deux danseuses avec moi sur scène qui me suivent depuis le début de l'aventure. On danse beaucoup, on s'amuse. On veut que la foule fasse partie du show aussi. Des fois, on descend dans la foule. Voilà, c'est une bonne ambiance. Une bonne ambiance le plus possible. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh, oh, je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Mon coup de cœur cette année, je te dirais que c'est Miro. Je l'ai rencontré à Paris l'automne dernier. Je suis allée faire un camp d'écriture et il était là. Il a une voix extraordinaire, il joue du violoncelle, il compose, il chante très bien. Il rappe aussi, mais c'est un très très bon chanteur. Je souhaitais qu'on me crisse la paix. Je suis peint dans mon appartement. Je l'ai approché et j'ai dit, écoute, quand je commence mon nouvel album, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble au niveau de la production ou une collaboration. Moi, j'écoute plein de styles de musique. J'écoute beaucoup plus d'autres styles de musique, en fait, que du rap dans ma vie quotidienne. Fait que je suis contente d'avoir lui dans la soirée aujourd'hui. Sur scène avec moi, ce soir, j'ai mes danseuses Angie et Lily qui sont là depuis le tout début, en fait. Il y a aussi Tom Lapointe qui est mon DJ, producteur, réalisateur depuis 15 ans, et Diego. C'est eux qui ont fait toute la musique de l'album, donc c'était logique qu'ils soient sur scène avec moi. Avant de monter sur scène, j'ai pas de routine. Je suis un peu stressée avant les shows, en fait, mais c'est beaucoup mieux là, avec le temps. C'est la seule chose que je fais, c'est que j'analyse, je bois de l'eau. Et je me calme. C'est le possible de world. T'as pas ton charme, t'as levé les mains. Je voulais pas ton cœur, alors j'ai pris le mago. Tu peux garder le fait, monter pour les frérots. Quand les SL dinero. Je suis claquée. Quand je suis en scène, j'ai une baisse d'adrénaline, une baisse d'énergie, mais ça fait du bien. Tu sais, c'est un workout. Là. Moi, je sors de scène, là, j'ai chaud, on a des serviettes, on s'essuie, on danse. Ça, beaucoup d'énergie pendant 45 minutes, une heure. Fait que c'est un de mes cardio de la semaine, les shows. Hey. Je dirais que nous, on essaie toujours d'avoir le même niveau d'énergie, peu importe la foule, peu importe le lieu où est-ce qu'on est, peu importe la scène, parce qu'il y a toujours des gens, je me dis, il y a toujours quelqu'un qui me connaît pas, qui va être là, qui va me découvrir. Il faut que je donne un bon show, les danseuses aussi, mes musiciens aussi, pour que, voilà, qu'au moins qu'ils aient dit, bon, c'est pas mon genre, mais c'était bon. Tu peux garder le fait pour les frérots, garder un style d'inertie.